Attention, j'ai bâclé cet épisode car il me faisait chier et puis j'avais besoin de YouTube Money. De toute façon, je m'en branle, vous êtes pédés. Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. Oui, donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo hein, vide-grenier, mais c'est parce que j'ai beaucoup été occupé hein, avec mon travail, avec ma copine, et puis avec un ami que c'est reste personnel. Hein. Donc aujourd'hui j'ai fait des très très bonnes affaires, alors je suis très content. Donc là, on va commencer tout de suite. Hein. Donc là j'ai trouvé ce jeu, donc c'est un jeu PlayStation 2 que j'ai acheté pour 10 euros, et c'est le jeu je sais pas si je le dis bien. Je sais qu'il y en a encore qui vont dire dans les commentaires que oui, non mais tu parles pas bien anglais, non mais on le sait, mais on s'en fout, c'est pas grave, voilà. Donc on va continuer. Alors là, j'ai trouvé, là, je suis très content parce que ça, c'est un jeu que j'adore. Hein. C'est Bomberman Land. Hein. Alors là, je suis très très content, surtout qu'il est, il est complet. Bon, il manque le jeu par contre. Hein. Il est complet, mais en excellent état. Et puis ouais, je l'ai eu pour 25 euros. Hein. Ouais. Très content là. Donc, hop. Alors là, donc, ouais, j'ai trouvé un jeu parce que c'est le vendeur, mais il me le faisait pour 1 euro. Et puis je me suis dit que voilà, donc c'est Final Fantastic V2. Voilà, donc je connais pas le jeu, j'ai jamais joué. Hein. Bon, ça me donne pas trop envie hein, quand je vois la jaquette, hein, ça a l'air un peu. Ouais. Bon, voilà, après je garde, c'est pour la question, c'est toujours bon à prendre. Et puis, ouais, sinon j'ai trouvé cette figurine. J'ai regardé sur internet, apparemment il s'appelle Sifo Fighter, un truc comme ça. Vous l'avez voulu. Après plein d'harcèlement et de menaces de mort contre ma personne, de tentatives de kidnapping de mon petit chat Kenzo avec une demande de rançon, vous l'avez enfin. Voici le Clash of Jackie sur les délires de Max. C'est bon, ça filme là? Bon alors, pour commencer, les délires de Max. Qu'est-ce que c'est? C'est un youtubeur de 29 ans qui fait des vidéos et qui a dépassé les 100 000 abonnés. Et il est censé faire des vidéos qui sont drôles. On parle souvent de conflits de génération. À ne pas confondre avec le conflit de canard. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais je peux vous assurer que quand je regarde ces vidéos, moi j'ai plus l'impression de voir des vidéos horrifiques et j'exagère même pas hein. Oh, j'ai entendu un bruit. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Non mais comment j'ai trop envie d'acheter SWI. Oh Jackie, je comprends pas, ça fait pas mal de temps que t'as commencé la vidéo, il y a toujours plein de blagues racistes. Oh, j'ai entendu un bruit. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, et du coup, pour faire ce Clash of Jackie avec Dark Vanessa 69, et ben on a dû regarder plein de ces vidéos. Et puis ça nous a rendu triste et du coup on est devenu alcoolique. Ah non mais Jackie, moi j'étais déjà alcoolique hein. Attends une minute. Mais moi aussi j'étais déjà alcoolique. Du coup, on devrait se marier. Et sinon, pour vous parler du contenu de ces vidéos, c'est un putain de truc de débile, je vous le jure. C'est tellement débile que pour moi, c'est le même niveau que les vidéos qu'on trouve sur Facebook avec des couples qui font des montages trop kitsch et tout. Mais bon, d'un côté, ça va, c'est pas comme s'il avait fait des vidéos putaclic sur les attentats de Paris ou sur les attentats en Belgique, hein. Bonjour, je suis Jeanne qui sert à rien de SLG et je ressens une pointe d'ironie dans tes propos. Bah oui, je suis ironique. Mince, moi qui voulais enfin servir à quelque chose, c'est raté. Et puis, il y a aussi son personnage, la Nadège. Non, pas Nadège, s'il te plaît. Coucou tout le monde, c'est Nadège. On dirait un personnage qui a été créé pour punir les enfants qui sont pas sages, sérieux. Mais Marion, pourquoi tu fais tes devoirs? T'es une femme, il faut que t'ailles faire la vaisselle. Mais s'il te plaît, laisse-moi, moi j'adore faire des devoirs.
Ok, tu l'auras voulu, j'appelle Nadège. Hein. Allô Nadège? Non, pas Nadège, ok, je vais faire la vaisselle. Ce perso, il est putain d'énervant, je vous jure. La légende dit même que c'est Nadège que le mec regardait dans Orange Mécanique quand il est forcé de regarder un film au cinéma. Coucou toi, coucou, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, c'est bien. Tu sais pas la dernière? Non, quoi? Tu vois Bernard? Ouais. Qu'est-ce que tu veux chacun? En plus, je suis sûr qu'il a inventé Nadège parce que ses vidéos c'est tellement de la merde. Et ben qu'il a pas trouvé de meuf fan pour tourner dans son truc, tu vois. Alors que moi j'ai toutes les meufs à mes pieds, j'ai même Julia Gameuse. Eh hey, mais Jackie, t'arrêtes de me traiter un peu comme un objet. Tu sais, les femmes aussi sont des êtres humains. J'ai un cœur moi aussi qui bat. Non, je rigole. Je suis à toi mon beau Jackie. Et comme la plupart des youtubeurs qui courent, ils utilisent un montage ultra rapide, histoire que les jeunes ne comprennent rien à ce qui se passe à l'image et qu'ils se disent je comprends rien à ce qu'il dit, mais vu que le montage est rapide, ça doit être une bonne vidéo. Allez, un like plus ça beau. Et le pire, c'est que ça marche. Nazi, nazi, nazi. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais vu que le montage est rapide, ça doit être une bonne vidéo. Allez, un like plus ça beau. Sinon, en fouillant un peu sur internet par rapport au gars lui-même, bon, on a découvert qu'il a fait un master à la Sorbonne, et non Narbonne, hein, parce que ça, c'est une ville. Alors que la Sorbonne, c'est l'une des universités les plus prestigieuses de France. Et tout ça pour finir à faire des trucs de merde sur YouTube. Oh putain le bol, content, j'ai enfin eu mon master à la Sorbonne. Cool, et maintenant tu vas faire quoi? Toi. Hey yo tout le monde, c'est Jackie Podcast. N'empêche au début, quand tout le monde le clashait, et ben moi je le défendais. Ouais j'ai un grand cœur. Oh là non. Parce que pour moi, je me disais il faisait des trucs originaux, alors j'allais pas faire le bâtard avec lui quand même, jusqu'à que je regarde une deuxième vidéo de lui. En plus je sais pas si t'as vu, mais il fait des vidéos ASMR. J'ai envie de détruire le monde. Oui, j'ai vu, c'est féroce. T'as à dire qu'une vidéo ASMR, c'est censé te détendre. Je crois que je commence à être détendu, là. Mais bon, y'a pire sur cette chaîne. Et ça, vous allez le découvrir dans... Ceci est l'alarme de la honte de la mort qui tue. Ce gars, pour faire sa propre pub, il a été créé plein de comptes YouTube. Et puis sur chaque vidéo de mec famous, il a mis un commentaire en disant d'aller sur sa chaîne et tout. Et avec ses autres comptes, il s'auto-likait. Et puis et après, il commentait son propre commentaire. Dans le but d'être top commentaire et puis d'être plus visible aux yeux des autres. Putain de merde, les gens comme ça, ça me dégoûte. Il faudrait les envoyer dans leur pays. Ah tiens, une nouvelle vidéo de Roy. Bonjour, c'est Roy. Mais bon, si vous voulez plus de détails sur ça, allez voir la vidéo de Sir Gabzé, et il en parle mieux que moi. Voilà. C'est l'heure de l'instant dédicace. Je fais une dédicace pour Léa Paulus. Bah c'est une meuf qui m'a dépanné en tournant dans mon dernier Clash of Jackie, c'est celle qui a 11 ans. Pour ceux qui se demandent, oui, je l'ai tartinée, elle était bonne. Oh non, la police. C'est l'heure de l'instant pub. Ça, elle est trop cool cette musique en fait. Oh, je fais une pub. C'est pour la chaîne de Dark Vanessa 69. Elle est trop sympa et puis elle est super gentille et tout. Et puis vu qu'elle est gentille, j'ai envie d'être gentil avec elle. Et Jackie, tu parles de moi là? Silence, femme, va faire la vaisselle. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. On se dit à la prochaine. Oh, lâche un like, abonne-toi et tout. Vas-y, je suis chaud là. Oh, check. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur, mon destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue, tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est tout, et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper, être le plus déterminé. Alors je voudrais adresser ce message au délire de Max, petit fils de pute. Ta voix, elle est à chier mon gamme. T'as une putain de tête à claque, enculé de tes mains. T'es un fils de pute. J'encule ta mère, enculé de tes mains, ah putain. T'es une grosse salope du bois de Boulogne, toi tu... T'es enculé au bois de Boulogne comme une grosse merde, fils de pute. Je viole toutes les personnes, filles de ta famille, enculé de merde que t'es, espèce de grosse salope. Je t'encule, grosse pute. Le délire de Max, hein, t'es tout le temps excité, c'est normal. T'as un gosse dans le cul tout le temps. T'as un gosse dans le cul, c'est pour ça que t'es toujours excité, fils de pute. T'es une grosse merde. Tiens, un cadeau de ma part, voilà un fuck. Je t'encule, les délires de Max, espèce de salope. Voilà, c'était The Drag Chain Clasher pour...
Clash of Jackie. Si t'as aimé cette vidéo, aime et abonne-toi. Partage et voilà. Et commente, ben ça tu vas le faire en même temps si tu t'abonnes. Voilà, tout simple. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, je me barre.